Salut à tous! Ben, c'est Alex du Nuclear Game et je suis accompagné de la magnifique et sublime Vic. Donc Vic qui reprend avec moi donc le Nuclear Game. Tout à fait, 2.0. C'est ça, tout à fait. Et du coup, alors on va faire les émissions ensemble. Je vais faire le montage et tout. Mais on anime ensemble et du coup en fait c'est elle qui m'apporte donc les jeux. Et donc là c'est une nouveauté en plus. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi? Alors c'est Resident Evil 7. Tout simplement on incarne un mec, enfin de ce que je sais, un mec qui veut retrouver sa femme. Enfin sa femme a été disparue il y a 3 ans. Et sa femme lui laisse un petit message et qu'il faut la retrouver dans cette maison. Et du coup il y va. Et là, c'est les problèmes, les gros problèmes. Ouais, alors moi j'ai joué à la démo et puis ça m'avait vachement pensé au NGI. Donc si la famille représente, on a le VR, hein, parce qu'on va se faire aussi en VR. On commence fort, mais... et voilà. Donc bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On commence, c'est parti? Ouais, allez. Ouais. Bon, on joue. Oh putain. Ah, déjà, là, elle me fait flipper. Attends, mais c'est... Oh, on dirait un film, c'est incroyable comme c'est bien fait. Attends, je vais bientôt rentrer à la maison. C'est vraiment bien fait. Grave. J'ai hâte de rentrer, de finir ce travail de babysitting. Déjà, elle me fait peur. Hein. Je veux te dire, même. Tu me manques. Elle a un petit strabisme. Faut que je retourne travailler. Attends, je suis désolée. Elle me fait penser à quelqu'un. Ah bon? Ouais. Pendant la démo. Oh. Pourquoi t'as tout niqué le jeu? Que ça, c'est vrai. Ah, c'est elle, là? Ouais. Coucou. Ethan? Tu avais raison. Je t'ai menti. Je n'aurais pas dû, mais... Regarde. Tout ce que je peux dire, c'est que... Si tu as ceci... À l'écart. Bah écoute, voilà, on commence et on n'y rentre jamais. On n'y va pas, en c'est fait. Fini. Le jeu est fini, merci à tous. C'était sympa. Ok. Bon alors, le moment où elle aura la VR, je pense que je vais la faire sursauter. Mais j'étais en train de ça, là déjà j'ai peur donc, j'ai envie de te dire. Putain, fais gaffe en sortant. Arrête. Écoute, j'ai tellement peur qu'un screamer. Non, je peux pas. Mais t'es sérieux? Je te jure, j'aurais une tête comme ça qui sort du pari, je sais pas moi. Faut que mais je non, marche mais là. C'est le début, bah oui, je pense. Hop, je vais le côté. Ouais, ton trophée. Félicitations. Ok, merci, je suis arrivée en Louisiane, je suis contente. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du NGI. Moi, c'est Alex et on va de suite visiter cette nouvelle maison. T'as la tête de Ouija? Allez. Oh gosh. En vrai, moi je tombe sur une maison comme ça, je suis content. Bah, du coup. Pourquoi tu veux pas aller dans... Je sais pas, je fais la meuf relou, tu vois, je vais aller visiter les alentours. C'est relou, hein, hein, c'est relou. Ah, tu vois, il faut toujours aller. Ouais. Non, franchement, je crains trop. Ma vie, je peux pas faire le. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, il y a écrit. Ok. Par contre, c'est vrai qu'en VR, il doit être franchement pas dégueu. Bon, à partir de la maison, on met le VR. Vas-y. Déjà, essaie d'entendre. Déjà. Allez, courage, Alex. Ah, c'est une porte. Mais ouais, non, mais là, c'est bon, j'ai l'impression d'être dans le NGI. Bonsoir, bonjour. Vas-y, allume ta lampe, garçon, s'il te plaît. Non, je suis dans le... Ouh. Oh là 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 là. C'est vrai que moi, c'est peinard, ça va, tu vois. Ok. J'ai pas trop la peur. Porte. Rick, la porte, ça te fait peur. Oh, il y a un cœur. Mais si, regarde, il y a un cœur. Oh là là, je suis vraiment dans la maison là. J'ai des frissons. Je suis pas. Il y a eu un bruit. Coco. Arrête. J'ai peur. Putain. On connaît cette petite cuisine. Arrête, non, c'est pas. Et si tu la connais cette cuisine? Bon, ouvre le placard, Alex. Prends du sel, prends quelque chose. Ok. Allez. Oh merde. Tu l'as pris ou? Tiens. Mais non, mais c'est le truc qui te dit ce que tu peux utiliser. Tu vas pas utiliser un mail pour ouvrir. Oh non, mais ça fait comme dans le.
Allez, vas-y, y a personne pour le moment. Pour l'instant. Je connais cette maison, hein, déjà. Oui, très, oui, très on bien. La connaît bien. T'as je crois faim? Qu'il est... Elle bouge un morceau, hein. Elle en a sur les mains. Oh, c'est pas grave, je les sens pas sur mes mains. Mon pote, y'a un truc qui se balade là, je te dis direct. Je veux pas y aller. Moi non plus. Par contre, je vais me faire attaquer. Dans la démo, en fait, on se fait attaquer après là-bas, dans ce trou. Il y en a un qui meurt. On peut fermer. Il ferme la porte. Il est très poli, ce garçon. Il joue du piano, non? Oh putain! Ça fait comme dans la démo. Ok. J'aime pas ça. NGI, j'arrête. C'est bon, du coup, on a des fantômes au quotidien. Je veux dire, c'est pas ce jeu qui va te faire peur. Ok. C'est quoi ce bruit? Arrête! Il y a T'entends? Pas de bruit. Il y a une ombre! Où? Là, regarde! Non mais! Ah oui, c'est ça, ouais, effectivement, là, ouais. Voilà. Non. Il y a rien là. À droite, derrière. À droite, je pense. Tu le sais, toi. Oh putain. Ah non, 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 non. Ça fait bloup bloup. Oui. Non, en vrai, je sais pas à quel moment. Mais je sais que c'est ça. Encore ça va, je sais qu'il n'y a pas de casque comme la dernière fois. Je suis pas trop trop plongée comme. Mais c'est déjà trop. Oh putain, ouais, c'est la fin. Te retourne pas, mec, fonce. Oh, il y a un truc juste devant moi, j'ai vu que ça a fait. Là, là, juste là. Maman! Non, mouche. Oh god. Pourquoi elle s'ouvre toute seule? Ah, ben ça, c'est la maison de pince rouge, j'ai envie de te dire. Dans le futur. Oh le bordel, c'est exactement ce qui se passe dehors quand il pleut et tout. Tu veux du linge? Je suis vraiment pas bien là. Oh merde, je suis dans le téléphone. Ok. Ça me fait penser à. À Silent Hill, ouais. Pity là. C'était sympa, c'était une très bonne démo ceci dit. Ah, et putain, enfin une map quoi. Ok, je fais comment pour mettre la map? Oh, il y a un truc, je veux pas t'alarmer, hein. Quoi? Mais il y a un truc qui est passé en face. Arrête. Ah oui, non, mais si. Je veux pas y aller. Pour enlever la VR, ça donne mal au crâne en fait. Oui, ça donne mal au crâne. Grave. Tu veux l'enlever? Ouais. Et du coup, tu fais quoi là? T'es obligé de repartir par là. Là hein. T'entends? Non, 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 vas-y. Non. J'ai pas d'armes, j'ai rien, je fais quoi? Eh ben, tu cours comme un bon vieux. Oh merde! C'est pour ça que t'avais un remède. Oh putain. Il met 100 ans. Hein. C'est la meuf! C'est Mia! Je peux rien faire! Oh putain, heureusement que j'ai pas la VR! Pourquoi t'as arrêté la VR maintenant? Dans la vie. Mia, non mais Mia. Arrête, oh, arrête. Tu te fais défoncer la gueule, mon pote. Heureusement que j'ai pas la VR, heureusement. Ah, j'en tremble et tout. Je suis pitoyable. Putain. Elle a mis des trous. Elle t'a fait des trous dans les mains. Mia. Je peux m'entendre. Quoi? Je peux la sentir reprendre possession de mon corps. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. J'ai été vilaine. Je n'ai rien ceci. Putain, avant que j'enlève la VR. Ah non, moi je suis déçue que tu l'as. Tu l'as. Prends le couteau, mec. Prends le couteau. Le couteau. Il est où? Fais ton remède, là, parce que... Oui, d'accord. Si j'étais
de l'eau sur les mains, le mec, non, n'importe quoi. Mais en vrai, il veut pas récupérer le couteau. Ah, elle a dit quoi? Laisse-moi. Ah, ok, j'ai compris. Laisse-moi. Elle a repris le couteau. Laisse-moi. Mec, cours. Je sais pas. Mais c'est toi qui compte. Oh putain de merde. Ok. R2. C'est quoi le pipi-pipi? Je sais pas. Oh, c'était la GoPro. Meurs, salope. Mila! On est choqué, on ne peut plus parler. Ah bah non, je suis choqué là. Bravo. Tu n'aurais pas dû venir ici. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce qui se passe ici? Je m'appelle Zoé. Tu ne pourras sortir par le grenier. Le grenier? Vas-y. Maintenant. C'est un guet-apens. Non? Je sais pas, ça pue du cul. Eh oui, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas! D'accord. Elle s'est ouverte en fait, c'est la porte qui s'est ouverte. Bon bah là du coup t'as... Elle est plus là. Après la... Elle est plus là. Elle est plus là. Elle est plus là. Elle est plus là. Tout va bien, elle est plus là. Elle est plus là. Oh putain. Ah qu'est-ce que c'est un corbeau? Je sais pas. Oh non c'est dégueulasse, pourquoi tu ouvres ça? Pourquoi c'est dégueulasse? Il me faut un remède. Ou quelque chose. Oh la chine en frigo. Ah c'était dégueulasse. Est-ce que je peux mieux? Ouais, vu qu'elle aime bien apparaître comme ça, tu vois sa petite tête avec ses petits cheveux noirs là. Ça va aller. Allez, c'est bon. Je me suis sûre. Tronçonneuse mon pote, mais le VR. Là j'ai plus de remède. Hein. Et on meurt pas. On meurt pas. Ah non j'ai tapé une main. Elle a dit quoi? Je sais pas. donc on se retrouve, on a eu un petit bug de caméra, celle qui est là-bas. Donc du coup, bah, ce qu'on en a pensé, très très beau jeu. Ouais, hein, très beau. On se chie dessus. Vous ouais, complètement. Alors moi avec la VR, ouais, heureusement que j'ai enlevé à temps parce que je crois que caca. elle a pas besoin de VR. Elle non, pas besoin. Mais voilà, non, sinon au top du top. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres jeux que vous voulez voir, même des nouveautés d'ailleurs, parce que ben, elle peut les avoir, les nouveautés, la demoiselle. Oui, voilà, c'est ça. Donc au moins ça peut vous faire un petit aperçu du jeu avant de pouvoir l'acheter. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il y a des jeux que vous attendez, ben, on le fera vraiment avec plaisir et je peux les avoir. Donc, Et pourquoi pas se refaire une nouvelle soirée du coup sur Resident Evil avec d'autres jeux poteaux de la Nuclear Team, ben ouais, ça pourrait être sympa. Mais voilà, donc n'hésitez pas et puis on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Ciao tout le monde!